Salut les geeks et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les sanctuaires de Zelda Breath of the Wild. Je suis toujours dans la chaîne des bras. Ah, j'ai pas pensé, des bras. C'est très drôle, c'est une très bonne vanne. Alors, près de Vallée de Blizzard et surtout près du point culminant des bras. Ici, il y a une petite balise rose. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut faire fondre la glace. Alors, quand je suis arrivé déjà, il y avait ça ici. Donc, je me suis dit, tiens, je vais allumer le petit feu de camp. Je peux même aller un peu plus vite en sortant ça. Allez, 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 fond, fond, fond. Et donc je pense que ce gros truc-là, ça va faire fondre. Et pour moi, le sanctuaire est derrière. Donc là, on a fait fondre ça pour rien. Je suis totalement ravi. Alors, je crois que la technique aussi voudrait que nous puissions passer par le haut. On va voir ça après. Je vais m'occuper de ça parce que habituellement ça donne des trucs cool, ça. Voilà. Alors, non, on va pas s'équiper de ça. On va s'équiper autant de besoin. Je peux pas gravir cette montagne. Ah, je ne peux pas le gravir. Bon, c'est facile, hein. Je vais là. J'appuie là. Et oh, il y a un sanctuaire! Voilà. Bon, on va quand même faire dégeler ça. Ah, j'ai plus des forces. Y a plus de feu de répit. Ça fond toujours. Et ça fait plus des flammes. Bon, ça fond. Désolé, ça prend un peu de temps, mais il me faut bien le petit réceptacle ici pour pouvoir activer ce sanctuaire. Ah, sanctuaire de Gaoma Haza. Donc il y a un truc qui est enfermé là-dedans, je sais pas trop ce que c'est. Un bon gros monstre. Bien dégoûtant. Ah oui, j'essaie de rentrer sans avoir activé ça, c'est très très fort ça. Comme quoi que je perds la boule. Allez! Oh, une épreuve extrême de force, ça faisait longtemps, tiens. Donc on a de l'eau, qui veut dire eau, c'est-à-dire qu'on n'aura pas de colonne pour pouvoir se protéger, ou de socle à faire lever du sol. Donc il faut utiliser Cryonis, ici, pour créer ceci, pour pouvoir nous protéger derrière quand il tourne. Voilà, bon, c'était la petite astuce simple. Ah, on va changer d'épée, on va prendre ça fait bobo, ça. Allez, on est reparti. C'est une épreuve extrême, donc c'est un anneau 4.0 du lourd. Oh, j'ai mis ça tout le nez, désolé. Allez, viens là, mon loulou. 3000 points de vie, comme d'habitude. Allez, 2340, allez, on continue à faire descendre ce nano-rando. Ah, touché! Il m'a touché! Je ne te laisserai aucun répit. Et non, aucun répit. T'as pas voulu prendre la dernière. Voilà! Tu l'as pris ta dernière. Faut pas se barrer comme ça. Je t'éclate. Ah, des arbres antiques, des rouages, des vis antiques, ça c'est cool. Encore une grosse hache. Est-ce que c'est. Une hache encore plus gros que 75? Déjà 61. Plus haut que 69. C'est une 75. On a grillé. Donc 75, ce qui est très 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 joli, 75. Je crois que j'ai viré ma petite épée parce que j'en ai une grande de flamme et qui est très robuste. C'est avec tristesse que je me sépare de toi, petite épée de feu. Et je vais prendre un gros bordel qui fout le bazar.
75, il va falloir que je les utilise parce qu'au final je vais faire collection au fur et à mesure. Pour l'instant je suis bien avec ça. Shadow 68 joue à Fortnite. Bon jeu à toi. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coffre? Ah, un espadon royal 52. Oh, ah, je suis blindé d'armes là. Genre, 52, non, ça sert à rien. Je suis navré, mais non, ça ne sert à rien. Je saurais qu'ici, il me reste quelque chose. Allez-y. On a fait le sanctuaire. A remporté la victoire, tout à fait. I'm the winner. Emblème du triomphe, notre 17e. Oh, faut vraiment que j'aille purger, moi. Et on a récupéré tous nos cœurs, c'est cool. Mon devoir est désormais accompli. À moi aussi, mon devoir est désormais accompli. Donc voilà, très simple à trouver ce petit sanctuaire. Il était bien l'endroit où j'avais balisé. Fallait juste faire fondre la glace, ou comme moi, tricher un petit peu et passer par le haut. Après, voilà, ça libère un monstre, c'est tout ce que ça fait, c'est pas dramatique. Mais voilà. Après, une fois à l'intérieur, c'était un anneau gardien 4.0, donc assez simple à battre. En ce moment, c'est ce qu'on fait souvent. On combat des anneaux gardiens. Donc, on fait avec, hein. Il faut bien qu'on ait ses sanctuaires, ça nous arrange toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires. Faites des vues sur celle-ci, allez voir les anciennes. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous venez de me voir, vous venez de me rencontrer, il y a une petite pastille bleue là-haut, vous cliquez dessus et vous serez abonné. Il y a mon logo, c'est facile. Et puis comme ça, vous aurez toutes les dernières vidéos que je poste, les dernières actualités. Voilà, et puis sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !